Le conseil des ministres est tenu aujourd'hui sous la présidence de son Excellence le roi Christian Kabore. Il a délibéré sur un rapport relatif à la situation sécuritaire dans les régions de Haut-Bassin, de la boucle du Mouhoun, des Cascades, du Centre-Est, de l'Est, du Nord, du Sahel et de notre pays. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants et le ministre de la Sécurité ont fait au conseil l'état de mise en œuvre de la réponse sécuritaire face aux attaques terroristes dont notre pays est victime. Il a noté que la mise en œuvre de cette réponse se heurte à de nombreuses difficultés liées entre autres au mode opératoire, au caractère diffus et transfrontalier de la menace terroriste. Le Conseil a échangé sur les nouvelles mesures visant à accélérer la réorganisation opérationnelle des forces de défense et de sécurité, l'amélioration du maillage du territoire, le renforcement de la vigilance, de la prévention et de la protection des populations et des infrastructures. Au terme de ces échanges, le président du Faso a décidé de déclarer l'état d'urgence dans certaines provinces du Burkina Faso. Il a également donné des instructions pour des dispositions sécuritaires particulières sur toutes les étendues du territoire. Le Conseil invite les populations au strict respect de ces dispositions qui ont pour objectif d'assurer avec célérité et efficacité la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso et de ramener la quiétude au sein des populations.